Bonjour Dominique Bousquet, bonjour Daniel Baril. Alors, merci de nous recevoir ici à la communauté de communes du Terrassonnais pour nous parler de deux conventions qui ont été signées la semaine dernière avec les élus et qui concernent donc un territoire de 37 communes. Pouvez-vous nous en parler de ce territoire justement qui est concerné par ces deux conventions? On va en parler après. Alors, merci tout d'abord de venir chez nous pour qu'on vous explique un petit peu le débat du dernier conseil communautaire et des deux conventions qui ont été signées, hein, qui ont des noms barbares comme souvent. C'est l'ORT, l'opération de revitalisation du territoire, et l'OPA, qui est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. C'est des outils importants pour le développement de nos territoires. Donc notre communauté de communes a formuler un projet de territoire pour nos 37 communes avec à la fois trois axes importants. Un axe, c'est s'appuyer sur nos centralités qui doivent rayonner sur l'ensemble du territoire. C'est aussi des opérations transversales qui animent, qui développent l'ensemble du territoire. Et après, c'est ne pas oublier, c'est le maillage territorial, le maillage villageois, le maillage de l'ensemble des petites communes, de telle manière que les grandes opérations, certes de façon structurante, s'adressent aux centralités, mais que toutes les communes en bénéficient aussi. Alors, il y a quatre communes, il y a quatre communes phares qui sont concernées, donc directement, plus les autres après, les petites, c'est ça? Alors notre communauté de communes est la fusion de trois anciennes communautés de communes, celle du Terrassonnais, donc bien entendu Terrasson est un élément fort de développement de notre territoire où se trouvent un certain nombre de services qui doivent bénéficier à l'ensemble du territoire. Après il y a le canton d'Hautefort, donc Hautefort est aussi, même si c'est plus petit, une centralité. Le Cosse-et-Vézère, qui était la communauté de communes de Thenon, mais dont il y avait le Lardin qui est un vrai pôle économique, et Thenon qui est aussi un ancien chef-lieu avec un certain nombre de services. Donc c'est un des axes que ces quatre centralités, par les actions qu'elles vont mener, soient en coordination avec l'ensemble du territoire, en complémentarité, et permettre de développer le territoire. Donc l'ORT, qui est cette opération dont on a signé une convention, est un outil qui provient de l'État et qui découle du dispositif Petite Ville de demain. Donc ces outils nous sont proposés par l'État et on les a adaptés à notre territoire. Donc nos services ont énormément travaillé là-dessus et de façon originale, puisqu'on a proposé à l'État, à nos partenaires que sont le département, que sont la région, mais essentiellement l'État et le département, une adaptation de ces outils de façon innovante, de façon qu'elles répondent à notre territoire. Donc cette opération de revitalisation du territoire découle, je l'ai dit, de Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, c'est donc une procédure d'État qui avait choisi la ville la plus grande, Terrasson, et une autre centralité, Thenon. Donc on a souhaité, et ça a été dit au début, que d'autres centralités soient associées, que l'ensemble du territoire y soit. Donc voilà, cette ORT, et on va vous détailler un certain nombre d'opérations qui proviennent de cette ORT. Et dans les éléments importants de développement, il y a l'habitat. Et donc c'est l'OPA Habitat qui va permettre de faire un certain nombre de choses qu'on va vous décrire maintenant. Alors on parlera de l'habitat juste après. Tout d'abord l'ORT, alors c'est, là, comme vous l'avez dit, c'est un terme un petit peu barbare. Revitalisation du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui le territoire a vraiment besoin d'être aidé, soutenu pour avoir des nouveaux objectifs, je ne sais pas, de redynamiser, c'est ça? Bien sûr. Nous avons une population qui stagne sur ce territoire. Nous avons
des zones d'activité à acquérir, à remplir, à mettre un certain nombre d'entreprises sur ce territoire, mais nous avons aussi à conforter les services à la population et les aides petites villes de demain qui seront fléchées sur l'ensemble des centralités permettent de meilleurs services à l'ensemble du territoire, à l'ensemble de la population. Donc c'est une cinquantaine de projets qui ont été ciblés. Donc il y en a une petite dizaine qui sont déjà matures, qui sont prêts à être réalisés. C'est 37 millions l'ORT sur 5 ans, puisqu'elle va durer 5 années. C'est 37 millions. Et on a donc des projets à hauteur de plus de 6 millions d'euros de projets qui sont déjà dans les tuyaux et qui vont être déjà programmés sur 2022-2023. L'ORT concerne les communes directement, c'est ça? L'ORT, ça concerne l'ensemble du territoire. D'accord. Mais ça permet de flécher des financements, de l'ingénierie. Romain Salducci a été recruté, c'est le chef de projet de Petite Ville de Demain et de l'ORT, et qui a été recruté pour accompagner les maires dans leurs projets. Alors, un peu plus sur les centralités, mais il est là pour créer des opérations sur l'ensemble du territoire. Donc, des exemples très précis vont être programmés dans les semaines et dans les mois qui viennent. À Terrasson, là, en venant, vous avez vu qu'il y avait l'ancienne friche Bourjade qui est déjà installée. Les travaux ont déjà commencé. Avenue Jean Jaurès. Avenue Jean Jaurès. C'est pour installer des bureaux d'entreprise. Les zones d'activité, vous l'entendez souvent au niveau des conseils communautaires, on s'est porté acquéreur de zones, que ce soit sur Tenon, sur Terrasson, sur Hautefort. On va être aussi accompagné dans ces extensions et ces aménagements de ces zones. À Tenon, il y a un projet avec les problèmes d'énergie qui sont d'actualité, de rénovation, de qualification énergétique de la salle du marché couvert. Sur le Lardin, où il y a un grand nombre d'investissements qui sont indispensables, vous le savez bien, puisque vous venez quelquefois nous filmer pendant nos conseils communautaires et qu'on essaye d'en faire un peu sur l'ensemble du territoire. Mais quand on va à la salle des fêtes du Lardin, il vaut mieux qu'il fasse beau, parce qu'il pleut. Donc c'est aussi un des dossiers à travers la toiture. Sur Hautefort, qui est un haut lieu du tourisme et un patrimoine très important, il y a une restauration aussi d'une aile de l'Hôtel Dieu dans le centre du bourg. Donc voilà des exemples qui imagent cette procédure Petite Ville de Demain. Mais nous, on va aller plus loin que ça. On veut que tous les investissements servent à l'ensemble du territoire, et c'est cette ORT qui doit déployer les activités et les investissements sur les centralités, sur l'ensemble du territoire. Et c'est là que l'OPA, l'opération programmée de l'amélioration de l'habitat, a toute sa signification. L'OPA, c'est une des thématiques importantes donc, de l'ORT. Donc c'est 500 logements qui devraient être rénovés sur 5 ans, une centaine par an, ce qui est important. Donc les thèmes sont de lutter contre la vacance, bien entendu, en rénovant des logements. C'est aussi sur les économies d'énergie, mais Daniel, tout à l'heure, vous développera un peu qui est le vice-président en charge de l'habitat. Ce sera aussi un moyen de dynamiser les activités économiques, car c'est des artisans agréés qui seront chargés de faire ces travaux. Et puis, il faut qu'on augmente notre population. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle stagnait. Donc, c'est valoriser l'offre locative.
Donc c'est un budget conséquent, hein, Lopin. C'est 1,5 million d'aides directes sur ce dossier OPA. On accompagne les aides de l'ANA, de l'Habitat, de l'Agence nationale de l'habitat. Le département nous accompagne. Donc l'ANA, c'est un peu plus d'1 million d'euros qui seront attribués à cette opération. Le département nous accompagne à plus de 200 000 euros, hein, 22 500, alors je me trompe d'un zéro là, vous voyez, hein, c'est que 22 500 qui sont apportés par le département, ce qui valorise encore plus notre action de la communauté de communes, puisque nous, c'est 250 000 euros qui seront apportés par la communauté de communes, hein, plus une aide des communes, ce qui fera plus de 320 000 euros, qui seront apportés par les collectivités, communes et communautés de communes. À qui s'adresse exactement l'OPAS? Donc c'est les particuliers. Alors propriétaires occupants, hein, qui auront des aides en fonction de leurs revenus. Daniel y reviendra dessus. Hein, il faut avoir des revenus, être modestes quand même, pour bénéficier de ces aides. Mais ces critères, ce n'est pas la communauté qui les fixe. C'est l'État et l'ANA qui fixent un certain nombre de critères et nous, on potentialise ces aides. Et après, les investisseurs, donc les propriétaires bailleurs, bénéficieront aussi d'aides, mais là, il n'y a pas de plafond de revenus. Ça, c'est aider des investisseurs à avoir une politique qui aura une retombée sur l'ensemble du territoire. Ce sont des aides concrètes, financières, ou ce sont simplement des soutiens pour avoir des taux d'intérêt intéressants, ou je sais pas moi, ou des conditions de paiement, si j'allais dire. Voilà, donc Daniel, qui est en charge, va vous répondre. C'est vraiment des aides directes et concrètes, plus que des soutiens ou des passeports pour, comme vous le disiez, pour des emprunts ou autre chose. Non, c'est vraiment des sommes dédiées en fonction de critères, bien sûr, qui ont été fixés et établis principalement par l'ANA, donc cette agence nationale de l'habitat. Donc ça, il y a la part État par l'ANA et la part départementale, comme l'a dit le président, et donc la part de la communauté de communes, qui est une majoration, on a abondé en plus de ces aides, et on a même ajouté, donc là où on est contraint avec les critères de l'ANA, mais on a également prévu une prime directement, donc là c'est 100% des critères de la communauté de communes, certaines primes qui seront ajoutées pour, le détail sera fait dans des triptyques, qui seront disponibles dans les bâtiments de la communauté de communes et dans quelques jours dans les communes de cette communauté, qui précisera bien sûr tous ces renseignements, sachant bien entendu que nous avons également à aujourd'hui une conseillère en habitation qui est là à 100% pour aider, pour accompagner tous nos administrés qui feront la demande d'aide pour l'amélioration de leur habitat, mais l'amélioration énergétique, bien entendu, mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi l'amélioration au niveau réhabilitation, au niveau aménagement du logement pour avoir un confort lié à l'état de santé de l'administré. Donc cette conseillère, en l'occurrence c'est une dame, sera là pour prendre en charge, certes, le dossier administratif et technique, mais également l'accompagnement direct avec l'administré jusqu'au versement des aides et des subventions qui lui seront attribuées et allouées. Oui, donc il n'y a pas de pourcentage global, c'est en fonction de chaque dossier. Hein. Ça, tout à fait. Et bien sûr, après, le montant est lié au dossier, par rapport, bien sûr, à un pourcentage en fonction du type de travaux et de la qualité des travaux. Mais on encourage également le côté, bien sûr, énergétique,
mais le côté aussi environnemental, puisque on a un critère principal qui est de faire travailler des entreprises, certes locales, mais agréées et qualifiées, en l'occurrence RGE. Donc ceci devrait aussi dynamiser le côté économique de notre territoire. Ce qui va dynamiser également aussi, oui, les entreprises qui les travaillent entreprises, dans le bâtiment. Absolument, c'est une des vocations de, la, de toute collectivité qui souhaite améliorer son territoire et le confort de ses administrés, bien entendu. Alors j'ai cru comprendre 100 logements par an dans une précédente réunion. Est-ce que ce n'est pas beaucoup et en même temps, est-ce que ce n'est pas trop peut-être parce que pour que les entreprises... Tout à fait, on ne sait pas. On ne sait pas puisqu'on se lance. Il y a, bien sûr, on s'est renseigné sur notre communauté de communes. Il y en a que c'est 50. Alors ça dépend aussi de la population et du parc immobilier qu'il y a sur le territoire. On ne l'a pas fait au hasard malgré tout, mais c'est vrai qu'on est parti sur ça. On considère que c'est quand même ambitieux, sans logement, alors de tout type, bien entendu. Hein. Il y a le côté énergétique, qui, on le voit, on commence à le voir, a une dominance certaine et importante, mais il y a aussi l'adaptation. Un exemple très simple, c'est d'enlever la baignoire qu'il faut enjamber et mettre une douche type italienne à fond plat. Donc voilà, c'est un exemple tout à fait concret mais important dans notre avec nos administrés aujourd'hui. Voilà, donc on espère, et enfin, vu déjà les premiers résultats, disons, si je puis dire, c'est bien parti. Donc le but, c'est vraiment la communauté de communes souhaite améliorer l'habitation. Tout à fait. De l'habitant. Hein. Tout à fait, avec deux objectifs. Le premier, c'est le bien-être et le bien-vivre de nos administrés. Mais il y a le côté aussi attractivité, bien entendu, puisqu'on va donc aider les propriétaires à améliorer l'état de leur logement. Et bien sûr, on pense aux bailleurs, aux propriétaires bailleurs, puisque par rapport aux locations, puisque on a la partie économique qui travaille énormément pour attirer, si je puis dire, des industriels. On a des achats fonciers qui sont en train de se faire, qui ont été faits et qui continuent à se faire pour faire venir, bien sûr, les industries. Mais si on fait venir les industries, c'est pour faire venir de l'emploi. L'emploi, c'est les employés. Et donc là, il faut qu'on souhaite, en plus, qu'on souhaite les héberger et qu'ils puissent vivre sur notre territoire, sachant qu'on est cloisonné entre l'agglomération de Brive et Périgueux. Et c'est vrai qu'avec les moyens de locomotion, les gens peuvent se déplacer, mais on voudrait qu'ils soient au plus près de leur travail. Alors, comme vient de dire Daniel, hein, c'est important en nombre. Hein, on verra si on a mis le curseur au bon niveau, mais en plus de cette centaine de logements par an, c'est aussi une enveloppe très importante que l'on met. Donc tout à l'heure, j'ai une petite note qui me donnait les sommes qu'ont mis les uns et les autres, et j'ai lu 22 500 euros apportés par le département. Alors, comme nous on met 250 000, j'ai cru que je m'étais trompé. Non, hein, c'est bien 22 500 du département, mais nous on fait un effort colossal, 250 000 euros par an, et qui est plus ce qui est fait ailleurs, mais on a préféré privilégier un axe pendant ce mandat, hein, il y en a deux avec l'économie, mais ce axe Habitat. Car comme l'a dit Daniel, non seulement c'est de l'attractivité demain pour amener des salariés dans les entreprises qu'on souhaite installer, et on sait très bien qu'aujourd'hui il y a des difficultés à recruter, et le fait qu'ils aient un logement peut permettre aussi aux agglomérations d'à côté d'être des réservoirs de population. Voilà, et donc... C'est aussi ces deux outils, ORT et OPA, ça permet à tout le monde de travailler ensemble. Vous savez bien que c'est des fois difficile d'assurer une cohésion du territoire. Les communautés de communes ne sont pas toujours très connues. Elles apparaissent souvent comme une nouvelle collectivité qui prendrait du pouvoir aux communes. Alors, je crois qu'il ne faut pas
que ça soit comme ça. Il faut qu'il y ait une vraie complémentarité d'action dans les domaines de compétences qui sont les nôtres, mais que nous souhaitons y associer les communes. Voilà pourquoi cette ORT, certes, était fléchée au départ par l'État sur les communes de centralité, mais nous, on veut que tout le monde en bénéficie. Et au niveau de l'OPAS, c'est l'ensemble du territoire qui aura droit à ces aides. Et ça nous a permis aussi de travailler avec la région dans le domaine de l'économie et dans le domaine de l'habitat, avec le département, mais sur tous les dossiers de développement de nos communes rurales, grâce aux contrats de projets communaux qui sont signés avec le département. Le département nous accompagne. Alors on espère que ça durera, parce que le département aujourd'hui a un certain nombre de difficultés qui proviennent, ce n'est pas des problèmes de gestion, là. Je ne suis pas en train de critiquer la gestion du département, mais il est évident qu'avec les grands postes comme le RSA, comme l'aide aux personnes âgées, le social, qui est plus de la moitié du budget du département, et des recettes qui baissent, le département peut-être demain ne pourra plus avoir cette politique d'aide aux communes qui n'est pas une compétence obligatoire, mais qui faisait. Donc, aux collectivités, on est très content d'avoir l'aide de la région et du département, mais il faut qu'on ait aussi notre propre autonomie et qu'on soit une vraie collectivité de développement de notre territoire. À quel moment l'administré peut venir vous voir, donc à la communauté de communes, pour s'occuper de ce dossier de l'OPA, et à quel moment il pourra démarrer ses travaux? Eh bien, nos administrés peuvent d'ores et déjà prendre contact, alors pas directement avec la CANCOM, il faut passer par le guichet unique qui est Périgord Noir Rénov, le PNR, ce qu'on appelle vulgairement. Donc là, il faut prendre contact par ce numéro-là, qui, je ne l'ai pas en tête, mais on l'a dans toutes les mairies, l'affiche est déjà là. C'est indispensable de passer par ce biais-là, parce qu'à partir de là, il va y avoir un filtre qui va se faire et qui va permettre aux agents qui sont au téléphone, mais également le matin, mais l'après-midi, ils sont sur le terrain, au niveau énergétique principalement. Et à partir de là, en fonction de la qualité des travaux que l'administré demande, il va à ce moment-là prendre contact, il va donner le contact, pardon, à notre conseillère Habitat, qui, elle, là, prend le dossier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et va s'occuper de A à Z, de tout le dossier de cet administré. Donc c'est la CANCOM qui prendra contact avec l'administré pour finaliser son dossier de façon administrative au niveau des revenus, s'assurer que tout soit dans les clous. Et à partir de là, c'est la CANCOM qui va s'en occuper, qui va gérer. Périgord Noir Rénov, c'est dans les locaux de la communauté de communes? Non, Périgord Noir Rénov, c'est une institution, un service public qui est financé par les 6 communautés de communes du Périgord Noir, dont celle de Terrasson, donc à part égale, en fonction, pas à part égale, excusez-moi, en fonction du nombre d'habitants, bien entendu. Et donc le porteur, c'est la communauté de communes de Montignac, de Vallée de l'Homme. Donc voilà, donc les bureaux sont aux AISI, précisément, pas exactement, puisque c'est le siège de la communauté commune de la Vallée de l'Homme. Disons que nous faisons entièrement partie de ce guichet unique. Ils vont se déplacer sur le lieu du projet, j'imagine. Mais après, ça va être notre conseillère. Déjà, ils se déplacent pour vérifier un certain nombre de choses et pour accompagner. Alors, comme moi j'ai une petite note, je vous l'ai dit, j'ai le numéro de téléphone. Donc, ce guichet unique, il est au ZESI. Donc, il suffit d'appeler là-bas et on vérifie l'éligibilité du projet. Donc, le numéro de téléphone qu'il faut retenir, c'est le 05 53 45 44 62. Donc là, il y aura une première
contact téléphonique, et s'il faut qu'ils viennent chez les gens, ils y viennent, et je sais que les gens sont très contents, hein, puisqu'ils y passent des fois plusieurs heures, et après, comme l'a dit Daniel, c'est nous qui prendrons le bébé, mais dans un premier temps, on a voulu avoir un guichet unique, et travailler ensemble, les 6 communautés de communes, et les ESI est donc le centre un peu de notre pays, et c'était assez logique qu'il soit aux ESI, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas oublié, et je suis vigilant, hein, les retours que j'ai de la population locale, c'est que les 3 personnes qui s'en occupent sont tout à fait compétentes, dévouées, et travaillent bien pour notre territoire. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas très fortuné peut quand même déposer un dossier, une demande, pour essayer de voir s'il ne peut pas quand même faire des travaux ? C'est même destiné à ces personnes-là, puisque l'ANAL, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui est donc l'État, privilégiera les revenus modestes, voire très modestes. Et je vais en profiter pour donner une précision. Donc, les personnes qui ont un revenu modeste, voire très modeste, ont toujours du mal, bien sûr, à lancer des travaux, puisque la somme dépasse leur courant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir se renseigner, parce qu'il y a donc les aides qu'on vous a parlé, mais il va donc rester un reste à charge. Et ce reste à charge, notre conseillère à l'habitat peut également continuer à accompagner cette personne-là pour obtenir d'autres aides parallèles, comme avec les caisses de retraite, avec d'autres organismes que je ne connais pas parfaitement, mais disons qu'elle ira jusqu'au bout pour aider cette personne et donc à diminuer au maximum ce reste à charge qui restera malgré tout, qui peut malgré tout rester une lourdeur pour cette personne. Une précision également, c'est nous sommes en contact, on a signé une convention avec Procivis, qui est une coopérative, et le président pourra apporter un peu plus de détails, mais qui va permettre à faire une avance, puisque vous parliez tout à l'heure des quand est-ce que les travaux pourront démarrer. Les travaux, déjà, ne pourront démarrer que lorsque l'administré, le demandeur, aura l'accord de la Comcom, parce qu'elle a vérifié qu'elle était éligible et que l'ANA, le département, est d'accord pour financer son projet. Et bien sûr, nous derrière... Est-ce que ça peut aller vite ? Ça peut aller vite quand même ou... Tout va dépendre de la charge qui va y avoir. Là, on a déjà une centaine de dossiers à traiter, donc il y a ça aussi. Et justement, il y aura quand même un certain temps. C'est pas la peine de se cacher derrière la forêt. Il y aura un certain temps qui se fait. On est habitués tous à ce que les subventions soient versées un certain temps après les travaux. Donc les travaux démarrent lorsque on a l'accord, et les subventions, les aides tomberont lorsque les travaux seront finis, sur présentation des factures et tout ça. Et c'est là où intervient cette coopérative qui va soulager les administrés, puisque c'est eux qui feront l'avance aux entrepreneurs, aux artisans qui font les travaux. Donc une grosse partie sera financée par cet organisme, et après, donc l'administré n'aura pas ce souci financier à avoir lorsque les travaux seront finis. En même temps, c'est une démarche intéressante pour les entrepreneurs qui savent que... Voilà. Exactement. En quelque part, ils auront une crédibilité au niveau paiement, bien sûr. Mais il faut aussi que les artisans, les entrepreneurs soient agréés. Daniel l'a dit, RGE, et ils ne sont pas tous agréés. Donc on va essayer de faire passer une communication. Ils ont souvent les compétences. Il suffirait qu'ils demandent leur agrément, c'est pas si compliqué que ça. Vous savez, les artisans en ce moment, ils ont quand même pas mal de travail, et ce qui est administratif, des fois, est un peu pour eux secondaire. Mais ce serait dommage que les artisans de notre territoire n'en bénéficient pas, et que ce soit des artisans RGE d'ailleurs qui viennent. Donc on va communiquer là-dessus.
Alors une question que je ne vous ai pas posée, je la vois, c'est qu'est-ce que le dispositif de Normandie ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, de Normandie, c'est l'effet, c'est un effet de l'ORT. De Normandie, c'est pour faciliter, pour aider les investisseurs. Donc, c'est uniquement sous la forme de crédit d'impôt. C'est bien spécifique pour les investisseurs. Et c'est bien l'ORT qui peut déclencher ce système, si je puis dire, ce système financier. Donc, il va s'adresser, par contre, aux investisseurs. C'est l'ORT, donc c'est nos quatre centralités. Donc, au sein de ces quatre centralités, les investisseurs seront aidés. Et j'ai quelques chiffres. Donc, bien entendu, si c'est en location, il y a des engagements de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Et en fonction du temps d'engagement, ils auront une réduction d'impôt qui va donc de 12 à 21%. Mais donc les prix des loyers sont plafonnés. Et par contre, évidemment, les aides de l'ANA, on ne peut pas fixer ces loyers. Il y a des conventionnements de loyers. Voilà, donc c'est bien spécifique. Très bien, je vous remercie. Je repréciserai, je redirai que nos administrés n'hésitent pas à se renseigner, passer par ce guichet unique en premier. C'est un coup de fil les agents vont le diriger, vont déjà commencer à l'orienter. Et après, donc, si c'est éligible, ça viendra sur la communauté de communes. Et donc là, surtout qu'ils n'hésitent pas à venir prendre des renseignements, se poser des questions, et nos agents seront vraiment là pour les aider. On s'y est préparé. On a la chance d'avoir un service habitat solide en termes de compétences et donc de volonté aussi à nous accompagner, nous élus, dans cette démarche. Peut-être une dernière question, c'est relative aux petites villes de demain. Est-ce que là on peut faire revitaliser aussi le petit commerce et est-ce que il est compris dedans ? Alors, notamment les métiers de bouche. Je pense qu'on reviendra vers vous pour développer, à côté de cette politique habitat. Je vous ai dit, on a deux axes principaux, les services, donc je mets un peu la politique habitat dans les services, avec les maisons France Service, dont on a beaucoup parlé, avec une nouvelle à Terrasson, il y en a une à Tenon, il y en a une à Hautefort, où passent beaucoup de gens. Ici à Terrasson, ils passent 15 à 20 personnes par jour, qu'on aide dans leur démarche administrative. On a un France Service itinérant. Mais tous ces services, si on veut qu'ils fonctionnent, il faut des recettes. Et les recettes, il faut faire des zones d'activité développées. Alors le commerce, ici comme ailleurs, connaît un certain nombre de difficultés. Tout le monde sait que le revenu des citoyens de la population, il est ce qu'il est, l'énergie, il y a des dépenses. Voilà, donc tout ça est un peu compliqué, mais ce n'est pas spécialement dans le territoire, mais c'est partout. Donc le commerce en subit les conséquences. Donc on a un certain nombre de procédures. On avait parlé en son temps, il y avait l'opération collective en milieu rural où on a eu beaucoup de dossiers. On a été le territoire sur le pays qui en a le plus bénéficié. Et cette opération collective au CMR est terminée. Et elle est remplacée par une autre opération, mais qui est un peu plus restrictive dans ses critères. On est là, à la communauté de communes, on est à disposition de tous ceux, des commerçants, des industriels, du monde économique, pour voir avec eux comment on peut monter ces dossiers. C'est un peu plus compliqué, les critères d'éligibilité sont un peu plus rigoureux. Et après, nous, on a un fonds aussi, propre à la communauté de communes, qui n'est pas immense. Mais bon, c'est aussi dans les 150 000 euros par an, mais sur l'ensemble du territoire. Et on a notre propre règlement d'intervention qui permet des aides
certes modestes, mais qui peuvent aller jusqu'à 5-6 000 euros par activité qui cherche à se développer. Donc là aussi, il faut appeler à la communauté de communes et nous avons une personne qui suivra les dossiers des commerçants. Est-ce que les communes n'ont pas leur mot à dire ? Est-ce que ce n'est pas un problème avec la communauté de communes qui décide finalement, notamment pour aider le petit commerce voilà, en matière de, alors, dans la propre ville en question quoi, voilà. La compétence de l'économie est celle de la communauté de communes et les aides directes aux commerçants ne peuvent être versées que par la communauté de communes qui a signé une convention avec la région. C'est la région qui a la compétence numéro un, mais nous, on a notre propre convention avec eux qui nous permet d'aider par des aides directes les commerçants et les entreprises. Donc ça, ça ne peut pas être les communes directement. Très bien. Comment voyez-vous ces petites villes demain, justement, c'est le cas de le dire, sans faire de jeu de mots, est-ce que, comment vous les voyez vivre? Est-ce que le petit commerce peut revenir? Est-ce que, voilà, c'est à nous tous de travailler ensemble, même si les aides directes, j'ai dit, c'est la communauté de communes, il est certes que ça peut ne marcher que s'il y a une grande concertation avec les communes. Souvent, quand les commerçants veulent s'installer, ils vont souvent à la mairie, donc c'est à la mairie à nous les renvoyer. Les zones d'activité, c'est la communauté de communes qui les gère. Mais souvent, les gens vont à la mairie demander ce qui se passe. Donc, quelles que soient les communes, il faut une grande complémentarité. Et si on a plein de domaines de compétences partagées, le tourisme, c'est à la fois le département, avec son comité départemental du tourisme, c'est la région, hein, c'est nous, puisque c'est nous qui finançons les offices du tourisme. Alors, un exemple. Je fais la publicité, hein, ce week-end à Terrasson, il y aura le salon des métiers d'art. Alors c'est l'office du tourisme qui gère ça, donc c'est des financements communauté de communes, mais il y a un lien fort entre le salon et les boutiques qui, elles, sont gérées par, puisqu'elles y appartiennent, hein, donc c'est leur propre, là ils ont la compétence sur leur propre boutique, hein, donc toutes les boutiques des artisans d'art de la vieille ville, c'est... La ville de Terrasson qu'il gère, donc ce week-end, on a une opération hein, de façon complémentaire, coordonnée, entre la communauté de communes qui finance l'OTE et qui organise ce salon, et les boutiques, donc nous serons communauté de communes présents ce samedi et ce week-end sur le salon, qui est là pour valoriser ces métiers d'art. Aujourd'hui, la population recherche le milieu rural, recherche l'authenticité, recherche ce type d'activité et nous en sommes d'autant plus heureux que sur le territoire, c'est une politique un peu globale. Il existe des boutiques à Hautefort, j'ai vu encore dans la presse de cette semaine qu'il y avait une artiste de renommée internationale hein, qui a été aussi à Terrasson, qui s'installe à Hautefort, hein, qui vend des bijoux. Hein, je ne fais pas de publicité, mais elle est très connue. À Thonon, il y a la rue des Arts aussi, avec un certain nombre de boutiques. Donc, on a cette intention de créer une animation, une attractivité autour des métiers des artisans d'art, mais aussi des métiers du patrimoine. On va travailler à ce niveau-là. On a des entreprises sur Hautefort très spécialisées. Donc ça, je peux donner les noms parce que c'est pas, ils ne s'adressent pas de concurrence locale, c'est des entreprises nationales. Que ce soit les ateliers des œuvres de forge qui ont tous les grands chantiers nationaux, que ce soit l'entreprise Ferignac, que ce soit des carrières, etc. etc. Donc les métiers du patrimoine, les métiers d'art, tout ça, ça pourrait être un peu faire partie de la carte postale de notre communauté de communes. Par rapport au commerce, c'est également d'ajouter que les municipalités, les mairies, les quatre centralités vont apporter elles aussi leur intérêt dans ce pacte d'OPA
puisque ils vont financer, enfin ils vont aider deux axes importants. C'est la réhabilitation extérieure des façades, l'aménagement, la rénovation des façades. Donc la mairie des quatre centralités va apporter une certaine somme. Mais le deuxième axe, c'est la séparation d'accès entre le commerce qui est au rez-de-chaussée et les habitations au-dessus. Ce qui peut inciter un peu plus également à de futurs commerçants à venir s'installer, parce qu'ils n'auront que leur commerce à s'occuper et pas tout l'immeuble qui est au-dessus. Donc c'est important de préciser que les quatre communes participent également à cet effort lié à l'OPA.